pour des juifs, surtout ça qui est très religieux, ou pour un chapeau que vous portez, un chapeau noir en général, ou pour un robe qui sous yo, ou pour un petit mèche cheveux qui bon tête yo. Donc yo établi des principes qui permettent que yo capable identifier yo. Mais pour l'autre nation, c'est capable c'est langue, c'est capable c'est coutume, c'est capable c'est comportement que yo gagne. Mais que identité à l'individuel, que li collective, nous rendons compte que l'identité, c'est un bagage qui est important dans l'histoire et son bagage qui est important aujourd'hui. Et l'identité tellement son bagage qui est important que gen de moun, même lorsque vous mourrez, vous avez aimé que même après la mort, vous dégagez une certaine identité. Vous racontez mon histoire que peut-être que je suis là déjà, je souffre avec moi pour les gens qui connaissent l'histoire. C'est l'histoire de deux frères, deux bandits, deux brigands. Et il y a un qui mourit dans un sac banditisme. Et lorsque monsieur mourit, frère qui est vivant, là, le côté pasteur, pour le chanter entièrement, il dit que, mon cher, d'accord que frère avec moi, nous pas tellement en forme, même dans les mêmes prononcé sermon de circonstance dans le funérail, nous avons dit que frère c'est ton saint. Pasteur a dit, mais non. Pour tout le monde connaît nous, monsieur, tout le monde connaît nous, c'est mauvais bagaille nous. Comment pour me faire présenter frère là comme mon saint? Et le ça, il dit, pasteur, m'a fait toute sorte, il me fait seulement dit que frère, non, c'est ton saint. Pasteur a dit, il n'y a pas de problème. Et puis, jour funérail là, et tout le monde réuni dans l'église là, plein, toute qualité monde. Et pasteur a dit, moun noue qui couche dans ce cœur là, monsieur son brigand, son bandit de la pire espèce. Mais l'homme comparé avec frère Lakshita là, monsieur son saint. Donc finalement, le prononcer moi, mais elle tout mêlé l'autre là. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que même lorsque disciple Jésus au pas de gon badge, qui était identifié avec Jésus-Christ, mais il était facile pour te voir que c'est monde qui marche à Jésus. Oui. Très facile. Et un exemple que nous gagnons, c'est lorsque vous venez arrêter Jésus dans le jardin de Gethsemane. Lorsque soldats sont venus, ils ont eu pile difficulté pour distinguer entre les 11 qui est-ce qui Jésus. Parce qu'on a l'impression que tout semblait. Et même l'apôtre Pierre, lorsque il a arrêté Jésus, Pierre a caché pour ne pas montrer, pour ne pas associer avec Jésus-Christ. Moun kap suivre Pierre, yo reconnaître que Pierre était avec Jésus-Christ. Donc on a l'impression que Jésus était tellement gon influence sous disciple yo que influence ça était taché sous disciple yo comme une identité, comme une marque distinctive. Et c'est ça identité veut dire. L'identité est définie comme le statut de ce qui est semblable. Donc lorsque nous avons gardé l'identité chrétienne, nous pouvons regarder dans quel sens nous vraiment semblons à Christ. Pendant que dans la Noël, lorsque nous avons fêté la Noël, tout le monde est chrétien. Mais qui ça veut dire lorsque je suis chrétien? Qui ça veut dire que moi je suis chrétien? Qui ça veut dire que moi j'ai une identité avec Christ? Et ça est extrêmement important. Et parce que l'important, Paul a besoin à un certain moment de la durée dans la ville, établi qui ça veut dire pour lui-même de fait que son serviteur de Dieu, qui ça veut dire pour lui-même de ce que son chrétien. Et c'est ça que nous allons étudier maintenant dans 2 Corinthiens chapitre 6 les versets 3 à 13. Nous allons étudier l'identité du chrétien des temps modernes. En nous prier, bon Dieu, Seigneur, nous disons merci pour grâce, merci encore une fois pour parole. Et que vous toujours mettez devant nous comme un phare. Et parole ou toujours là comme une lumière, Seigneur, pour révéler nous, nommer nous. Pour révéler nous, état d'esprit nous. Pour révéler nous qui est-ce nous y est. En sorte que nous sommes capables de corriger. Parce que parole ou là pour corriger nous. Parole ou là pour instruire nous. En toute sagesse. Afin que nous sommes capables de sembler avec vous. Seigneur, merci de ce qu'on a prouvé Dieu nous dans la parole. Ça. Merci de ce qu'on a béni. Merci de ce qu'on a touché. Chaque monde qui l'a, y compris moi-même, qui besoin de portion de parole ça, pour édification de moi. Nous disons merci et nous remettons toutes choses entre tes mains. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous avons fait la Bible dans 2 Corinthiens chapitre 6. Nous avons lu
des versets 1 à verset 18. 2 Corinthiens chapitre 6. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, Paul a parlé avec les chrétiens corinthiens. Et Paul a dit aux chrétiens, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. On voit que déjà Paul a identifié les chrétiens corinthiens à bon Dieu comme des collaborateurs. Et c'est exactement ça même avec où il est par rapport à Dieu. Nous sommes des collaborateurs avec Dieu. Et ça, c'est un plus gros privilège que moi-même avec vous capable de gagner. Des fois, quand pile monde qui remet dit que maintenant qui compagnie, que vous tape travail, maintenant qui institution, mais qui est-ce que fréquenté. Parce que lorsque vous dites ça, ça va y avoir un certain aura, ça va y avoir un certain poids dans la société. Mais le plus souvent, nous ne réalisons pas que moi-même avec vous, la Bible dit nous sommes des collaborateurs avec Dieu. Et ça, c'est un gros privilège. Et parce que c'est un privilège, Paul exhorte nous. L'a exhorté chrétien corinthien, l'a dit, pour ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. Et Paul va l'expliquer, mais comment il a besoin de présenter tête comme des serviteurs de Dieu. Mais comment lui-même lui présente tête comme un serviteur de Dieu. Mais ça qui fait que lui est recommandable. Et lorsque Paul a dit ça, Paul finit par dire que nous besoin assurer nous que l'identité chrétienne nous li ferme. Identité chrétienne nous reposer sur un bagage. Et Paul continue à parler pour dire qui association qui gagne entre Christ et Bélial, qui association qui gagne entre fidèle et infidèle. Et Paul a établi pour eux-mêmes qui ça veut dire la grâce de Dieu et comment au besoin comporter dans cette grâce. Mais pour Paul continuer, il dit car il dit au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Donc Paul a exhorté que jour ça, c'est aujourd'hui, c'est jour plus important. Et toute décision qu'a prend, nous ne devons pas renvoyer pour demain, nous devons mettre le jour d'hier. Et Paul va conclure lorsque l'a dit, l'a commencé, et c'est là qu'on a entré dans le sujet que nous avons étudié ensemble. Il dit, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin... Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un sujet de blâme. Et lorsque Paul commençait, il commençait par ça, il dit, nous ne donnons aucun sujet de scandale, parce que Paul connaît que si c'est pour scandale, il y a bien scandale. Parce que Jésus-Christ est enseigné sur ça, Jésus-Christ est dit, vous aurez des scandales, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Mais cependant, Paul a besoin d'établir priorité pour les chrétiens de Corinthe en tant que collaborateur avec Dieu. Il dit que nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit. Et comment Paul fait? Paul dit que tout est permis. Il dit ça quelque part. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Et il dit que chacun... au lieu de chercher son intérêt personnel, recherche celui de l'autre. Et Paul a dit encore, frère, vous avez été appelé à la liberté, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Parce que sinon, nous prenons un sujet de scandale. Et plus loin, Paul a dit que je traite durement mon corps afin de n'être pas moi-même rejeté. Donc pour l'apôtre Paul, lui-même était capable d'assurer que lui pas un sujet de scandale, il était obligé de faire ça avec l'écrit là. Il était reconnaître que toute bagaille est permis, mais toute bagaille n'est pas utile. Paul était imposé tête des limitations. Et limitations, ça a eu un rapport avec l'identité chrétienne. En sorte que moi-même avec, ou lorsque nous disons que c'est chrétien, nous n'avons pas fait ça, nous voulons. Le nous voulons, Jean nous voulons, côté nous voulons, parce que nous c'est chrétien. Et c'est différence ça qui est établi entre nous-mêmes et monde dans la Noël côté tout le monde croit que c'est chrétien. Il raconte histoire en flâneur qui descend sous route Delma, sous autoroute Delma. Et puis monsieur descend, monsieur lagué deux guidons. Monsieur descend à toute vitesse. Et puis pendant monsieur ouvert deux bras, monsieur dit allons liberté, c'est freedom. Comme si nous avons dit, freedom n'a pas liberté. Allons liberté.
c'est freedom. Et c'est comme ça, monsieur, ouais, freedom dans lui-même. C'est comme ça, well, c'est liberté, c'est licence. Et c'est ça, ça Paul a dit nous. Paul exhortait nous pour ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Et il dit sous lui-même, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit. Et c'est ça Paul dit. Mais lorsque l'a dit, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, il dit pour qui ça? Il dit, afin que le ministère ne soit pas un sujet de blâme. Mais lorsque Paul a dit le ministère, on prend nous compte dans quel sens il note. Ce n'est pas afin que mon ministère, ce n'est pas afin que notre ministère, c'est afin que le ministère ne soit pas un sujet de blâme. De qui ministère Paul a parlé là? Paul a parlé de ce ministère universel que moi-même avec vous, tout le monde qui croyant y a gagné. C'est le ministère. C'est tout, nous toutes nous la donne. Et si nous besoin comprendre ça, on remonte dans chapitre avant, chapitre 6, là, chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5. Côté il dit, 2 Corinthiens 5, verset 17, 18, qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et voici tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné, nous, c'est-à-dire nous les croyants, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Verset 18, il dit, il nous a donné le ministère de la réconciliation, il nous a donné en tant que croyants. Tout le monde qui est là, nous sommes tous des ministres. Et Paul dit que nous sommes tous des ambassadeurs. Si c'est dans le temps aujourd'hui, elle t'a parlé, elle t'a dit que nous sommes des ambassadeurs élevés au rang de ministres. Et c'est ça que Paul a dit, nous avons ce ministère de la réconciliation. Mais ce ministère de la réconciliation consistait en qui ça? Il consistait d'une part dans réconcilier le monde avec mon Dieu. Ça c'est job pam, ça c'est job pao. Et bon Dieu, ça pas intéressé qui titre que vous gagnez dans l'église, en dehors de l'église, en dans l'église. Ça pas intéressé bon Dieu, ça qui intéressé c'est que vous soyez un ministre. Ou bien en main, le ministère de la réconciliation, job pao, c'est réconcilier le monde avec mon Dieu. Et quel que soit ce qu'on fait dans la vie, il est supposé tendre vers ça. Que vous soyez policier, l'a tendre vers ça. Que vous soyez homme d'affaires, l'a tendre vers ça. Que vous soyez employé dans l'organisation, l'a tendre vers ça. Toute la vie, nous, supposé orienter dans le sens réconcilier le monde avec mon Dieu, parce que c'est le ministère universel des croyants. Ce n'est pas important pour mon Dieu, est-ce que vous faites l'un dans l'église là ou en dehors de l'église? Job là, c'est réconcilier le monde avec mon Dieu. Mais non seulement nous réconcilier le monde avec mon Dieu, nous réconcilier le monde avec tête. Parce qu'en pile, le monde par contre, ça y est en Christ. En pile moun pa konn sa yo vo. En pile moun pa reconnaître que yo créé à l'image de Dieu et yo gen toute dignité yo. Mais job pa mwen avec ou, c'est restaurer dignité moun. Job pa mwen avec ou, c'est réconcilier moun avec tête yo. Et non seulement ça, bon Dieu ba nous le ministère de la réconciliation pour nous réconcilier moun avec moun. En sorte que mwen avec ou, nous pas ça supposer moun k'ap créer division, mais moun k'ap créer la paix entre moun. Parce que nous avons reçu de Dieu ce ministère de la réconciliation. Et finalement, le ministère de la réconciliation, il impliquait que nous réconcilier le monde avec l'environnement. C'est-à-dire faire en sorte que le monde prenne soin de l'environnement côté. La Bible dit dans Jérémie 10, verset 27, bon Dieu parle à Jérémie, il dit Jérémie, prends soin du pays côté menant en captivité. Parce que bonheur dépend de bonheur pays. Prie pour le pays où je t'ai amené en captivité. Parce que ton bonheur dépend du sien. Et en pile, on ne peut pas réaliser que bonheur, nous, en Haïti, dépend de bonheur pays d'Haïti. Aussi longtemps que Haïti pauvre, indépendamment de quantité de cobre, moi, je capable d'accumuler, nous pauvres. Aussi longtemps que Haïti, son pays à risque, la vie, moi, ma vie, à risque. Aussi longtemps.
aussi longtemps que Haïti son pays qui gagne sécurité, moi-même avant, nous dans l'insécurité. Et c'est ça que bon Dieu bah nous ministère ça, le ministère de la réconciliation. Côté n'a réconcilié monde avec bon Dieu, n'a réconcilié monde avec tête yo, n'a réconcilié monde avec monde et n'a réconcilié monde avec environnement yo. Et c'est ça que Paul relé le ministère de la réconciliation. Mais peut-être gen moun k'ap di, m'pa comprenn, ou ap di que m'son ministre, mais lorsque m'ap comparé moi-même qui son ministre et ministre qui dans gouvernement yo, moi que c'est le jour et la nuit comme si moi ba yo pi bien marché pour moun sa yo passé. Ça c'est peut-être une belle question. Et peut-être gen moun ki k'ap di, mais si m'se ministre qui le bon Dieu a payé m, parce que moi tout ministre gen chèque yo chaque mois, moi même qui l'aime recevoir chèque pam nan, comment bon Dieu pral payer m? Et même gen une bonne nouvelle pour matin hein, qui peut-être capable d'interpréter comme une mauvaise nouvelle, c'est que bon Dieu paye déjà. Non seulement le paye déjà, ou craser comme là déjà. Et sous craser comme là déjà, pas grand yon ka fait que fait travail là. Parce que craser comme là déjà. Et qui le bon Dieu paye ou? Bon Dieu paye ou à la croix. Et lorsque Jésus montait sous quoi il bail la ville pour moi m'aver, bon Dieu payé. Il payé dette péché nous, nous toucher déjà. Et puisque nous toucher, et c'est ça qui fait la, nous sauver pour nous servir. Et puisque nous sauver kounia, nous pral exercer ce ministère de la réconciliation. Mais il y a deux monde qui capable continuer à dire mais est-ce que c'est vrai moi j'ai toute valeur ça dans les yeux bon Dieu? Est-ce que c'est vrai moi j'ai toute qualité ça dans les yeux bon Dieu? Si c'est vrai moi j'ai mais pour qui ça m'gagne tout problème ça yo? Et pour qui ça m'obliger souffrir même genre à tout le monde pendant que m'gagne toute valeur ça dans les yeux bon Dieu? Mais Paul dit que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui sera révélée pour nous. Parce que tout ça que nous vivions c'est pour un temps. Mais cependant, bon Dieu, il y a de meilleures choses pour nous en réserve, en plus de salut, ça que le banon. Et Paul poursuit pour le dire que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais job que bon Dieu va aimer avec vous, c'est faire ministère ça, le ministère de la réconciliation. Mais lorsque l'Ifin dit ministère de la réconciliation, si nous tournons dans le même chapitre que Napoléon, il dit. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme des serviteurs de Dieu. Et c'est là que Paul pral asseoir, ça veut dire chrétien. C'est là que Paul pral expliquer l'identité chrétienne, ça la palia, en qui ça consistait pour lui, sinon pour les apôtres. Paul commençait par dire que. Mais nous nous rendons à tous égards, c'est-à-dire dans tout domaine recommandable, comme serviteurs de Dieu. Et il dit par beaucoup de patience. Mot ça que nous traduit par patience là, son traduction lui second, dans mot original là, il dit par beaucoup d'endurance. Parce que je vais l'expliquer patience là, puis devant. Si nous sommes capables de catégoriser ça, on va regarder sous écran, on pourrait que moi mettre le par catégorie. Première catégorie, hein, c'est que il dit que. Nous nous rendons recommandables par beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, beaucoup d'endurance. Dans qui ça? Dans les détresses, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Mais ça, c'est un bagage qui doit interpeller nous. Pour qui ça, lorsque Paul a montré qui ça qui prouvait que son serviteur de Dieu? Pour qui ça c'est ça à lui montrer? Alors que dans la culture par nous, dit, lorsque un monde c'est chrétien, tout bagaille doit rose pour lui. Son monde qui pas supposé gain problème, son monde qui pas supposé malade, son monde qui pas supposé gain difficulté, mais Paul utilisait difficulté pour asseoir identité chrétienne ni. Et ça son bagaille nous besoin réfléchir sur lui. Parce que gain côté au prêcher sur ça. Yo dit de pour vin accepter Jésus-Christ ou pas gen problème encore. Mais Paul présentait problème yo comme un signe, comme une évidence de chrétienté.
Il pas seulement présenter problème yo non, il présenter endurance li dans problème yo. Donc il présenter persévérance li dans problème yo. Pour la présenter identité, il présenter le comme ça parce que pour qui ça? Parce que tout ça pour la vivre dans problème ça yo, yo forger caractère li, yo forger identité chrétienne li. Parce qu'en pile fois ces problèmes ça yo que moi avec ou nous vivre qui ba nous caractère ça que nous gagne. Et qui peut-être ba nous comportement ça que nous gagnons. Des fois gagne de bagarre ou juste besoin vivre pour comprendre yo. Yo raconte une histoire, par contre si son histoire vraie ou bien si son salier mais c'est en Inde. Donc on est en Inde et en bonne partie dans population indienne là yo très idolâtre, yo adoré en pile idole et idole sous forme macaque, idole sous forme oiseau et sous forme éléphant, toute qualité d'idole. Et on raconte l'histoire que dans une famille, t'es gain, yon papa t'es gain deux idoles là, il t'es gain deux statues en wash. Et yon statue t'es plus gros que l'autre là. Mais chaque temps papa dit petite là que et garçon, ou besoin venir adorer statue ça ou même Jean papa a fait ça. Parce que statue ça ou là, c'est ou même qui paye l'école pour ou, c'est ou même qui boit manger, c'est ou même qui met garde sous, c'est ou protéger. Mais petit garçon toujours a dit aïe papa quand toi tu viens à bailler soit dit ça ou pas réaliser bailler ça aussi wash yo et pas gagner la vie dans yo papa a dit m'pas occupé mais sous là c'est grâce à eux même on le monsieur veille papa pendant papa a sorti et puis monsieur rallon bâton et puis monsieur bat gros statue en lagué la tel crasel le fin bat gros statue en crasel et puis bâton le déutiliser il prend le mettre dans petit statue. Le papa a vini depuis dans porte là, il dit papa vini où est ça qui passé là. Mais ti piti en bat goal crasé li la tête. Papa a dit quand on joue dans bagay ça, ou pas ba yo c'est morceau wash yo et c'est morceau bois yo pas gagne la vie là dedans. Il dit mais ça me tape dou là papa. Parce que gagne de bagay c'est vivre pour vivre yo. Et c'est même bagay pour Paul. Pour Paul expliquer identité chrétienne ni Paul aller dans expérience personnelle li. Et c'est même pareil pour moi ma vie. On partit dans l'expérience que nous faisons avec bon Dieu, forger identité nous en tant que chrétiens. Et c'est ça qui fait nous pas capables chrétiens pleinement sans que nous pas gagne témoignage de façon que nous marchions avec bon Dieu. En sorte que le ça identité nous elle pas tout simplement un exercice académique. Même gens pour la Noël, tout le monde dit c'est chrétien. Tout le monde identifié à Christ pour la Noël. Et puis depuis Noël l'a fini, tout pour nous reprendre business. Mais Paul a insisté à Corinthiens pour le dire que nous nous rendons recommandables comme des serviteurs de Dieu parce que beaucoup d'endurance dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Il y a deux textes qui ont traduit ça, il dit des jeunes forcés. Parce que des fois, Paul n'a pas toujours des jeunes, le pain quotidien, il était obligé de faire des jeunes forcés. Mais tout ça forgeait l'identité chrétienne. Ni. En sorte que l'œil dit c'est chrétien, qu'on ne soupit ça, le campé pour le doux ça. Et deuxième catégorie, Paul fait référence à des valeurs que le croit là-dedans. Des valeurs que le mettez en pratique dans la vie. Pas seulement expérience, mais des valeurs. Mais avant de nous entrer dans les valeurs, nous comprenons les choses dans le texte. Lorsque Paul a parlé, il n'a pas parlé à la première personne. Il dit, nous nous rendons recommandables. Nous nous rendons. Pour qui ça? Il y a une raison capable, ouais, c'est que voyage missionnaire de Paul, il y a une plus expérience que Paul fait. Il est relaté dans le livre des Actes des Apôtres. Mais ce n'est pas Paul qui écrit Actes des Apôtres. Actes des Apôtres écrit par Luc. Luc, c'est le premier historien dans l'histoire de l'Église. Mais Luc fait tout voyage avec Paul. Donc tout ça, Paul Abdil vivio, Luc vivio tout. Luc vive naufragio. Luc vive détresse. Luc vive calamité. C'est comme si nous avons dit à cette époque, mais ça t'a marqué la vie chrétienne. La vie chrétienne est marquée par ça. Et c'est même Jean moi avec vous. Si nous faisons voyage dans un pays islamique, nous ne pouvons que la vie chrétienne qui vivre là. Il n'y a pas même Jean avec vie par nous. Nous prenons compte que nous-mêmes, nous plus libérales.
nous apprenons nous-mêmes que nous plus relax avec la vie chrétienne, alors que pour nous-mêmes, l'autre bois, la vie nous dépend de ça. La vie nous sans cesse menacée. Mais cependant, nous connaissons tout, même gens avec nous, nous avons un ministère de la réconciliation et job nous c'est réconcilier nous avec mon Dieu, mais nous faisons au péril de leur vie. Parce que vous connaissez chaque temps vous ouvert bouche pour bailler un témoignage chrétien, vous n'êtes pas rentré la caillou, mais nous-mêmes, nous avons l'opportunité, nous pas faire. Parce que nous avons deux guidons, allons liberté, c'est freedom. Mais vous-même, vous faites au péril de leur vie, parce que c'est ça que ça veut dire pour vous, pour chrétiens. Mais cependant, nous-mêmes, nous prenons le relax. Maintenant, tant Paul, l'heure où tu es chrétien, où tu es sujet à bagaille ça, où tu es sujet à calamité, ou t'es sujet à détresse, ou t'es sujet à coup, ou t'es sujet à prison, mais ça va t'empêcher que yo te gen des convictions chrétiennes arrêtées. Et c'est ça que Paul capable dit, nous recommandables. Nous recommandables. Et peut-être question pour moi avec vous matin, c'est qui ça qui fait moi avec vous nous recommandables? Qui ça recommande nous comme chrétiens? Qui signe distinctif que nous gagnons la vie nous qui montre que effectivement nous sommes chrétiens vrais et que nous pas même gens avec tout le monde pendant la Noël qui c'est chrétien car un fils nous est né, un enfant nous est donné, ouais, l'enfant Jésus, tout le monde chrétien. Mais qui ça nous gagne la vie nous comme des signes, comme des évidences? Paul montre pas lio et Paul continue qu'on y a avec des valeurs pour le dire par la pureté, lui montrer par la connaissance, par la longanimité. La longanimité, c'est la patience. Et Paul était obligé de patience dans toute bagaille ça où l'a vivre. Parlant de patience, je vois une histoire au monde qui a prié bon Dieu parce que monsieur reconnaît dans la ville monsieur besoin de patience. Mais pour bon Dieu, bon patience, c'est au creuset de l'épreuve, n'est-ce pas? Monsieur a prié bon Dieu, monsieur dit Seigneur, donne-moi de la patience, mais faites vite. Comment mon Dieu va le baoul? Seigneur, donne-moi de la patience, mais faites vite. Mais Paul te voit dans ça comme une valeur par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère. Et il continue, il dit, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Mais ça qui l'a caillé moi, qui fait que moi-même, moi recommandable comme serviteur de Dieu. Et nous tous besoin poser tête nos questions ça matin. Qui ça que fait que nous recommandables comme des serviteurs et des servantes de Dieu? Ça c'est pour Paul, coûte pas à nous, coûte pas à nous. Mais Paul continue pour le dire que au milieu de la gloire et de l'ignominie, l'ignominie c'est la honte. Paul dit que il était sujet à bagaille ça autour. Il était sujet à la gloire. Gain de côté Paul rivé, il même te prendre pour un dieu Apollos. Mais Paul était obligé rester tête frette. Il y a un auteur qui dit que les chrétiens sont capables de gérer toute bagaille sauf succès. Parce que automatiquement, succès est arrivé, son problème. Donc, valeur a commencé à baisser, liberté a commencé à tourner, licence et l'école laguée. Mais Paul, il dit au milieu de la gloire et de l'ignominie, il était intact. Au milieu de la bonne et de la mauvaise réputation, il y a des gens qui seulement voient que le vin là, dans l'église, il y a des gens qui ne peuvent pas garder le bien, il n'y a pas vine encore. Mais Paul dit que l'été résister au milieu de la bonne comme de la mauvaise réputation. Et Paul pourra continuer dans mauvaise réputation honnête. Il dit que comme étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique connu, comme mourant et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, mais nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et nous enrichissons plusieurs, comme ne possédant rien, mais possédant toutes choses. Donc Paul dit, mais ça qui était dans la vie comme des signes distinctifs, mais en quoi identité chrétienne m'a été consistée? Parce que toutes les fois que vous avez une identité, identité veut dire identité impliquée, séparation, distinction, différenciation. Donc Paul était capable de dire à chrétien corinthien, mais dans qui sens que moi-même, moi distinct, moi dans qui sens que moi-même, moins différent. Et question pour moi avec vous, c'est est-ce que nous différents? Est-ce que moi-même avec vous, nous au-dessus de la mêlée?
dans qui sens identité chrétienne moi-même avec vous montrer que nous sommes différents. Et lorsque Paul a fait référence à ça, Paul a fait référence à la vie personnelle. Paul a fait référence à l'expérience que l'a vive. Et dans ce sens, ça, Paul montrait que le pas de deux vies, il a une seule vie. Paul pas de une vie personnelle, une vie professionnelle ou bien une vie ministérielle. Paul a une seule vie. Mais en pile fois dans la vie, moi-même avec vous, nous avons deux vies. Nous avons une vie dimanche matin. Nous avons une vie samedi soir. Une vie peut-être mercredi après-midi. Et une vie dans l'activité. Mais Paul a besoin de montrer que lui-même, l'identité pâle que lui a en Jésus-Christ là, il transcendait le sacré et le séculier. Mais de nos jours, on a d'accord que c'est très rare pour venir un monde qui a une seule vie. Et des fois, on dit identité chrétienne, ça, dans qui ça le manifeste même, qui évidence, qui signe distinctif, qui montre que, effectivement, nous sommes chrétiens. J'ai fait une expérience, ça a peut-être quelques 12 ans de cela. Son expérience côté quitté, parce que moi, je me découvre même avec tout le monde, que j'ai une vie les dimanches, et la semaine, moi, je suis professionnel. Donc, les dimanches, moi, je suis chrétien, mais la semaine, c'est business. Et c'est ainsi que on l'aime d'aller dans l'église Pétionville et puis puis et pas seul l'église qui était là, c'était si me pas tromper c'était Don Weaver et qui dit Leslie pour prendre là est-ce que vous voulez venir dit deux mots d'exhortation et à l'assemblée, me dit sans problème et puis me venir encourager mon Dieu avec deux paroles et puis après ça me retourner me regagner siège moi. Et après service là, il y a une demoiselle qui approchait, qui dit monsieur Jules. Bon, en général, mon pari le monsieur Jules, m'a dit son mon une relation formelle avec lui. Et puis il paraît que c'est là ça l'identifier comme un étudiant dans l'université. À cette époque, m'était qu'on fait quoi à l'université. Et puis il dit moi, mais je ne savais pas que vous étiez chrétien. Belle bagaille. Parce que là il dit ça, parole ça a touché dans fond cœur directement. Pour qui ça gagne monde qui ouais chrétien, une série de monde qui pas ouais chrétien. Pour qui ça les dimanches mon chrétien. Et pour qui ça la semaine moi pas fin chrétien net. Pour qui ça m'oblige gagne deux identités ça dans poche moi. Gagne double nationalité ça. Et c'est ainsi que me dit mais qui sont ouais dans attitude moi dans comportement qui dit ou que moi pas chrétien. Il dit bon. Ça fait deux ans qu'on fait qu'on dans l'école. Là, bah, on me dit non, qui est-ce qui sont quoi? Et là, il dit ça, ça a vraiment touché orgueil moi. Et c'est ainsi que mal prié, bon Dieu, me dit bon Dieu, Seigneur, peut-être vous besoin réconcilier vie ça au dans moi-même, en sorte que je ne pas gagner deux vies, je ne pas capable de séparer sacré et séculier, parce que pour bon Dieu, pas gagner différence entre sacré et pas séculier, différence entre sacré c'est profane. Aux pièces chrétiennes pas supposé faire travail profane et pour bon Dieu toute bagaille est sacrée. Et c'est ainsi que bon Dieu fait grâce et me songe prochaine fois que me retourner faire cours dans l'école là parce que c'est ton cours business et dans perspective pam genre que au lever pas gain relation entre business et l'évangile. Et c'est ainsi que bon Dieu fait grâce et bon Dieu ouvre les yeux. Et prochaine fois, mal fait qu'on dans l'école là, me dit étudiant pour me commencer avant que me présenter aux excuses parce que j'étais avec moi pendant une université pendant longtemps. Et puis me dit bonjour, dis à me t'as même parlé nous de yon entrepreneur qui marque la vie. Et puis tout le monde a saisi, tout le monde saisit, tout le monde parle tant qui entrepreneur ça qui marque la vie. Gen moun captain que me parler de Warren Buffett, que me parler de Bill Gates, que me parler de Michael Dell. Et le samedi au que entrepreneur ça relé Jésus-Christ. Il y a des gens qui saisit me dit oui, Jésus c'est ton entrepreneur. Parce que la Bible dit il exerçait le même métier que son père. Parce que Joseph était charpentier, Jésus était exercé même métier à Joseph. Or à cette époque, monde qui t'a exercé profession libérale ça, il était toujours un business. Peut-être sous t'a marché Jérusalem à cette époque, ou t'a pour une compagnie qui marquait Joseph et fils. Et là, ça, c'est une fenêtre d'ouverture d'opportunité que bon Dieu t'a donné pour que moi, t'es capable de parler de lui-même. Et depuis lors, je me suspends d'enseigner en 2005 à la faveur de l'opération Bagdad qui était dans le pays. Je ne suis pas enseigné encore, mais depuis lors,
Bon Dieu toujours bon opportunité lorsque m'a enseigné pour non transpirer pour identité chrétienne moi paraître. En sorte que jodi a pas fait aucune différence que moi camper derrière un chèque Calvary ou bien camper dans un hôtel à faire une conférence ou bien dans une université, pour moi-même tout doit glorifier bon Dieu. C'est pas seulement camper là pour glorifier bon Dieu. Tout ça m'a fait parce que c'est ça la Bible dit nous, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Parce que l'identité chrétienne, elle doit suivre nous tout partout dans tout ça que nous faisons. Et bon Dieu t'a préparé pour d'autres ministères. J'ai fait une opportunité mal fait cours dans une université aux États-Unis, dans un programme maîtrise. Mais c'est une université chrétienne. Mais lorsque je fait cours dans l'école là, étudiant, ouais, l'autre professeur qui vient faire cours, puisque son université, et c'est la contraste là, puisque son université chrétienne, professeur tout simplement vient au juste fait cours. Il a supposé que puisque son université chrétienne, eh bien, tout le monde dans l'université a connu Christ. Mais moi-même, je ne suis pas capable de supposer encore, parce que bon Dieu a fait le travail ça en moi. Et lorsque je vais faire coup pour jeune, je vais parler de Jésus-Christ. Et il y a un qui est touché par un message là, quoi que son université chrétienne. Et lorsque ce semestre a fini, je vais collecter. Et rapport, évaluation, jeune. Et puis, il y a un jeune qui dit, c'est le meilleur coup que je n'ai jamais eu dans la vie. Parce que le coup, ça, il touche l'esprit, mais il touche comme. Parce que c'est ça que bon Dieu m'a dit, nous, avec identité, ça. Et c'est ça que Paul a fait. Lorsque Paul a présenté identité, ça, que il a gagné, qui transcendait tout le bagage. Mais le plus souvent, moi-même, avec nous, nous avons des difficultés pour que nous transcendions l'identité ça que nous avons en Christ, pour que nous présentions l'identité ça. Et c'est ça que fait la Bible, dit, côté bon Dieu a parlé, gon fusion. Nous faisons fusion ensemble avec le monde, et fusion ça a vu une confusion. Parce que la Bible a dit, Paul a fait, Jérémie a dit, il dit, bon Dieu a parlé à Jérémie, il dit, parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places. S'il s'y trouve un homme, s'il y a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne Jérusalem. L'a cherché yon moun, mais le pas qu'à joindre, parce que tout le monde font seul, son bouillon, son fusion, en sorte que vous pas contre qui est-ce qui est chrétien, qui est-ce qui est pas chrétien, ou pas contre qui est-ce qui est serviteur bon Dieu, qui est-ce qui est pas serviteur bon Dieu, ils font fusion. Et fusion, ça va en confusion. Et Ézéchiel continue pour le dire, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, c'est-à-dire que yon moun qui fait la différence. Yon moun, et ça, nous comprenons que n'a parlé de la ville sainte. N'a parlé de la ville sainte, côté bon Dieu a cherché yon moun, mais il dit, mais je n'en trouve point. Pour qui ça le dit ça? Parce que tout le monde conforme. Parce que tout le monde font seul. Et ça a une confusion. Et peut-être, m'attendais récemment, mon frère a expliqué que très bientôt, Haïti va fêter ses 200 ans de protestantisme. 200 ans depuis que l'évangile a prêché en Haïti. Est-ce que nous connaissons que son honte que depuis 200 ans l'évangile a prêché en Haïti, et si nous cherchons un monde de confiance, nous ne pouvons pas joindre dans le pays? Nous ne sommes pas d'accord que son honte. Alors que Paul a dit, nous nous rendons recommandables. L'impossible, après 200 ans l'évangile a prêché, pas qu'il y a personne dans le pays qui est recommandable. Son honte. Parce que toute identité chrétienne, non, nous pas ouelle. Nous pas ouelle identité chrétienne. Non. Et ça, son honte, après 200 ans. Après 200 ans de protestantisme, où il y a la jeunesse qui est en quête de modèle. Tout modèle la jeunesse haïtienne, c'est des modèles importés. C'est 50 cents. Tout modèle yo, c'est des monde qui pas contre bon Dieu, et pourtant gen l'église, gen 52% population qui chrétien. Mais jeune yo pa wè modèle là. Est-ce que ne pas senti gon problème? Gon problème là donne. Et c'est ça que fait lorsque Paul a dit nous nous rendons recommandables à cause d'eux, parce que Paul a dit, mais ça fait identité chrétienne, li, mais ça fait le recommandable comme des serviteurs de Dieu. Moi, avec nous, nous besoin plonger dans la vie, nous, pour nous dire, qui ça fait nous recommandables nous-mêmes, comme des serviteurs de Dieu, comme des servantes de Dieu.
qui signe distinctif que nous gagnons la vie nous qui fait que monde capable faire nous confiance. L'impossible après 200 ans de protestantisme en Haïti que plus fort entreprise en Haïti c'est des entreprises individuelles. Ministère du commerce font enquête, l'a révélé que 95% entreprises en Haïti c'est des entreprises individuelles parce que monde pas fait société anonyme encore, il y a pas fait monde confiance. Parce que vous connaissez un bon coup de bas quand même. Et vous connaissez un bon problème quand même. Et dernièrement, je suis passé à Serge Capdi, il y a un monde qui dit, je vais vous recommander mon monde qui pour faire un travail pour moi. Tant pis, s'il vous plaît, pas vous l'église pour moi. Après 200 ans, bah c'est moi-même avec vous, nous besoin sensibiliser Baba Isaïe. Nous besoin toucher par vous-même, nous besoin quitter l'esprit bon Dieu travail dans nous, dans ce sens ça. Et lorsque bon Dieu a dit la cherche un monde ni pas joindre mais gen quelque côté le joindre parce que la Bible dit nous que dans identité ça que n'a gardé à identité li implique distinction, différenciation et séparation, nous voyons ni dans la personne de Daniel, Noé et Job et nous venons verser sous ça. Il dit fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine et j'exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eût au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme. C'est comme si dans toute l'histoire de l'humanité, bon Dieu a gardé, il y a trois hommes, Noé, Daniel et Job. Et si nous venions caractéristiques distinctives dans la vie toi monsieur Sayo, c'est que monsieur Sayo, yo pas de conformer au siècle présent. Du temps de Noé, la Bible dit mon a marié petit yo, il oublié ça bon Dieu dit pendant ce temps Noé a construit un l'arche, tout le monde brel pour monde fou. Pas gain nuage dans ciel là, lui même l'a construit un gros bateau, son monde fou. Ou gen Daniel qui tombe dans un gouvernement à Babylone, bagay yo bel nan men, tout moun a enrichi tête yo, Daniel te capable enrichi tête li tout, mais non, Daniel te gon administration qui juste, yo cherche l'an administration, yo pa jwenn rien pour di kont li, pour qui ça? Parce que Daniel pas conformé. Et nous jwenn Job qui gen tout fléau sous le du monde, qui tombe sous lit, même madame Job qui dit pour qu'il soit pas fait même genre tout le monde maudit bon Dieu et puis mourir non, mais non Job pas conformé. Et toi monsieur ça yo, yo pas conformé yo nan temps pa yo, et yo te gen toute raison pour te conformer yo, particulièrement Daniel qui retrouvé dans un pays étranger, qui retrouvé loin de système de support lit, il était capable conformer mais non. Et c'est ça la Bible dit nous, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et nous avons un texte pour ça qui dit là, dans Romains 12, verset 2. Il dit, ne vous conformez pas, ça c'est action par moi-même avec vous. C'est ça, bon Dieu attend de nous, bon Dieu attend de moi-même avec vous pour nous pas conformer nous au siècle présent. Pour qui ça? À cause de l'identité chrétienne ça que nous gagnons. Mais cependant, pendant qu'il dit nous pas conformer, nous dit nous, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dans le texte, on voit deux actions. Premièrement, on voit ne vous conformez pas au siècle présent à la forme active, c'est-à-dire que c'est ça moi-même avec vous, d'où est fait. Ensuite, nous voit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, c'est la forme passive. Dit Dieu, ça fait dans la vie, nous, ce n'est pas nous qui faisons. C'est comme si bon Dieu a dit, Dieu n'est pas conformé au siècle présent et l'esprit va le travailler dans vous. L'esprit va le renouveler l'intelligence. L'esprit va le faire distinguer les choses nettement en sorte que vous êtes capable de connaître ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Donc, Job même avec vous, c'est Dieu n'est pas conformé nous. Job même avec vous, c'est afficher l'identité nous. Par contre, si nous réalisons dedans la société haïtienne non, que l'islam son religion qui a monté en puissance et l'islam son religion qui a affiché le musulman pas caché rien, hein? Musulman affiché le, il a affiché le comportement, il a affiché le tenue vestimentaire, il a affiché le tout bagay. Et par contre, si nous réalisons encore dans la société haïtienne non, que le vaudou a monté en puissance tout. Je songe lorsque je t'ai grandi moi-même, l'homme était jeune, lorsque je dis au monde son vaudouisant, ou mettre quoi, c'est ton petit grand monde sans dents.
Mais je dis en pile jeune garçon, en pile jeune fille, kaougan matin, midi, soir, y a cherché réponse. Mais question nous besoin poser tête nous côté l'église. Côté identité chrétienne ça que nous gagnons qui capable faire la différence. Mais nous toutes nous conformer nous. Même Jean texte l'a dit là dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Et Paul continue pour le dire dans le même chapitre de Corinthiens pour le dire, si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais question que bon Dieu t'a voulu poser nous matin, c'est où sont les choses nouvelles? Comme si c'est business as usual. Comme si c'est même bagaille, même pratique depuis 200 ans d'histoire. C'est comme si depuis 200 ans, Haïti était une terre fertile pour l'évangélisation. Il n'a pas fait sens. Après 200 ans. Mais lorsque Paul a continué avec Corinthiens, il dit, verset 11, il dit, notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à des enfants. Élargissez votre cœur. Paul a suscité intérêt à la Corinthiens pour être capable de vivre même gens avec lui, pour être capable de partager cette identité chrétienne que lui-même a gagné. Mais dans le verset 14 à 13, intéressant, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. C'est-à-dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Même Javem, nous nous rendons recommandables par beaucoup de patience dans les tribulations, par la bonté, par un esprit saint, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec les fidèles? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Par contre, si un pile monde là connaît qui ça joug, même des une image pour me capable montrer nous effectivement qui ça joug. Peut-être que monde qui levait en province plus qu'on est lorsque vous jouquez bête. Ouais, vous mettez deux bêtes ensemble. Yon joug, c'est qui ça? Yon joug, c'est une pièce de bois que vous mettez pour atteler deux bêtes ensemble, en sorte que vous êtes capable de suivre la même route. Vous êtes capable de marcher dans la même direction, marcher dans la même ligne. Et c'est ça, bon Dieu a dit, lorsque la parle avec Corinthiens, il dit, pas mettons joug sous tête ou ensemble avec un fidèle. C'est-à-dire, ou même un fidèle, nous pas capable de garder dans la même direction. Et c'est ça, bon Dieu a dit, moi, ma veille. À cause de l'identité chrétienne ça que nous gagnons, nous ne sommes pas capables de prendre un joug, mettre sous cou nous avec le monde. Tout ça, le monde a fait, nous fait le tout, même gens. Nous résoudre le problème, nous, même gens, le monde résout le problème. Yo. Nous agissons, même gens, ensemble avec le monde. Et c'est ça, Paul a dit, et d'autres termes, l'a demandé, quelle identité chrétienne nous. Mais une chose que nous avons réalisé, c'est que lorsque Paul a dit, mais qui ça qui dans la vie qui fait que me recommandable comme des serviteurs de Dieu mais qui fait que nous recommandable la présenter qualité nous rendre compte que ça c'est des qualités de Paul. C'est Paul qui t'a vivre dans l'époque Paul, il était besoin de bagaille ça parce que c'est ça qui t'a font forger l'identité chrétienne. Et peut-être question que nous besoin poser aujourd'hui c'est que en Haïti, en 2015 et à l'approche de 2016, à qui ça un chrétien doit sembler dans le pays ça? Pour le faire la différence, pour le pas sous joug, mais que l'est capable de transformer par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est ça que Paul a dit là. Je ne pour moi-même avec, je ne compte pour nous-mêmes, mais moi-même des fois, je suis fatigué chaque temps pour me parler de bon Dieu Daniel là. Je suis fatigué chaque temps pour me parler de Daniel, m'a parlé de Joseph, m'a parlé de Job. Comme si Ndadou, c'est seulement monsieur ça qui a un bon Dieu dans la vie. Je ne sais pas si nous pas fatigué. Pour qui ça, c'est constamment fait référence à monsieur ça.
Pour qui ça jodi a nous pas capable faire référence à nous-mêmes? Pour qui ça me pas capable faire référence à moi-même? Qui ça qui change dans bon Dieu? La Bible dit Dieu ne change pas, peut-être que c'est moi qui change. Pour qui ça Daniel était capable quitter l'esprit bon Dieu travaille dans lui, mais jodi a me pas capable quitter l'esprit bon Dieu travaille dans moi? Et c'est question ça que nous besoin poser. Nous pas capable prendre caractéristique pour lui, nous besoin jouer une propre caractéristique par nous. Donc en d'autres termes, moi avec nous besoin dit qui ça qui dit qui signe distinctif qui montre que nous sommes chrétiens. Est-ce que nous sommes chrétiens parce que nous à l'église? Est-ce que nous sommes chrétiens parce que nous avons Bible? Est-ce que nous sommes chrétiens parce que nous avons fonction dans l'église là? Que c'est pasteur, moniteur, pas qu'on est accueil, diacre, est-ce que c'est parce que nous avons fonction qui fait nous ces chrétiens? Est-ce que c'est parce que nous fréquentons l'église qui fait nous ces chrétiens? Parce que moun dans la Noël, il y a pas posé question ça yo. C'est seulement c'est la Noël, c'est Christmas, c'est l'époque Christ là. Donc tout le monde chrétien, mais nous-mêmes nous besoin à la lumière des écritures sonder cœur nous pour nous voir qui signe distinctif qui gagne dans la vie nous. Qui ça dans la vie nous qui démontrer que effectivement nous c'est chrétien. Paul dit mais signe pas mieux mais ça qui dans la vie nous t'ai grand pile endurance lorsque me t'ai dans prison, lorsque me t'ai prend coup, lorsque me t'ai dans détresse, lorsque me t'ai dans calamité, nous t'ai grand pile endurance mais ça que t'ai signe pas ou même jodi a qui ça que signe pas moi même qui ça que signe pas. Fait semaine m'a posé tête moi question ça. Qui ça que signe pas qui évidence dans la vie et que me capable dire au monde même genre avec Paul nous nous rendons recommandables comme des serviteurs de Dieu à cause de 1 2 3 4 5 veux pas pour nous-mêmes et pour moi-même tout c'est que pendant n'a entré en 2016 bagaille ça clair pour nous en termes d'identité chrétienne nous en termes de qui ça qui fait de nous yon chrétien en sorte que lorsque bon Dieu va regarder Haïti. Lorsque bon Dieu pral dit, moi vle pardonner Haïti, mais m'ap cherche trois moun, et que moi avec ou nous se youn la donne. Et c'est dans ce sens ça, nous besoin orienter la vie nous. Et non, mette nous sous un joug avec infidèle yo. En sorte que nous pas qu'on est jodi à qui est-ce qu'ap influencer qui est-ce? Est-ce que c'est l'église qu'ap influencer société? Est-ce que ce société a qu'ap influencer l'église? Nous pas qu'on est qui est-ce qu'ap influencer qui est-ce? Parce que nous seulement reconnaître que confusion, entre l'église là et société là, et finalement fusion ça a tourné en confusion. Personne pas capable de connaître qui est qui est. Personne pas fait personne confiance et même dans l'église monde pas fait monde confiance. Est-ce que nous d'accord avec moi que grand problème? Nous d'accord avec moi après 200 ans de protestantisme, nous pas là c'est que grand problème, son signe que grand problème et que moi avec nous besoin de travail sur qui ça qui fait de nous un chrétien et vive ça. Tu as une dame qui était premier ministre dans pays ça m'pa dit qui est comme dit une dame tout le monde est en qui est et il t'a ba une interview avec une chaîne de télévision c'était RFI et dans l'interview il dit que personne dans ce pays ne peut résister devant des liasses de billets. Personne dans ce pays. Il prend tout le monde, il prend nous toutes, il met nous toutes dans le même panier parce que personne ne peut résister devant Almighty Good. Personne. Et un sénateur qui t'a parlé, toujours dans la même époque, qui a dit que si il a cherché en Haïti, il y a un monde, un politicien qui n'a pas un côté obscur, c'est dans le ciel où il a cherché, il ne s'est pas sous terre ça. Et pourtant, il y a un pile politicien chrétien. Mais plus fort dans yo, sinon tout conforme yo au siècle présent. Et c'est ça, bon Dieu, relé nous pour nous faire. Bon Dieu dit, n'a pas fait action pas nous, n'a pas fait action pas. Action pas moi-même avec vous, c'est pas conforme nous. Action pas bon Dieu, c'est vous et Saint-Esprit qui a transformé nous-mêmes. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et transformation, ça, c'est pas nous qui a fait, c'est pas avec force nous, c'est Saint-Esprit bon Dieu qui a fait dans la vie nous lorsque nous quittons le travail dans nous. Et lorsque l'a travaille dans nous, qui ça le bral fait? Le bral produit dans nous le fruit de l'esprit.
qui est l'amour, qui est la patience, qui est la bonté, il va le produire fruit ça dans nous. Et le ça nous va le fond effort pour ça. Seul effort que nous besoin faire, c'est pas conformer nous. Ça seulement. Et c'est ça bon Dieu a dit lorsque l'a conclu dans verset 17, il dit c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous dit le Seigneur. Et c'est ça me te dit nous identité veut dire. Identité veut dire séparation, distinction, différenciation. Tout le monde là pas même numéro NIF. Tout le monde là ont quatre identités différentes. Et c'est ça parce que nous séparer. La Bible dit nous c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. C'est comme on a dit, ne vous conformez pas et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez à ce qui est impur et je vous accueillerai, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Tout-Puissant. Et le verset et le chapitre 7 commence, ayant donc de telles promesses, c'est-à-dire que cette promesse d'adoption, ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous donc de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et c'est exactement côté bon Dieu attend moi-même avec vous. Et c'est exactement identité ça que bon Dieu attend que moi-même avec vous nous cultiver la caille par nous cette identité chrétienne qu'a fait de nous-mêmes des mondes qui distincts, qu'a fait de nous-mêmes des mondes qui séparés. Et c'est volonté par bon Dieu pour la vie pam. Et c'est volonté par bon Dieu pour la vie pao, pour année cap venir. En sorte que lorsque nous disons nous c'est chrétien, mot ça, il fondé sur un bagage. Même Jean-Paul dit, moi c'est chrétien parce que nous nous rendons recommandables comme des serviteurs de Dieu. Parce que 1, 2, 3, 4, 5. Et prier pam pour nous-mêmes, c'est que nous sommes capables grandir dans maturité ça ensemble parce que Haïti besoin ça après 200 ans nous besoin ça nous besoin gon classe d'hommes et de femmes qui émerger dans pays ça et qui connaît ça ça veut dire suivre bon Dieu et qui pral démontrer le monde qui ça veut dire le sel de la terre et la lumière du monde. En nous prier bon Dieu Seigneur nous remercier au pour pour parole ou que ou ba nous Seigneur ou dit nous dans Bible là que et on monde pas capable lumer en lampe et que pour lui capable mettre l'en bas en table et, Seigneur et non on ville éclairée et qui sont en montagne tout monde a pour elle Seigneur et c'est ça que vous faites de nous vous faites de nous sel et lumière. Mais Seigneur en pile fois nous confond dans la masse en pile fois Seigneur nous perdu Seigneur nous pas même retrouver nous en termes de qui ça veut dire lorsque on monde en Christ particulièrement pendant la Noël, côté tout le monde en Christ, qui ça veut dire pour nous-mêmes, Seigneur, pour nous en Christ. Seigneur, nous remercions parce que vous avez ouvert les yeux nous sous parole ça. Et encore une fois, merci, parce que ce n'est pas avec force pas nous que nous pouvons le faire. Nous seulement besoin pas conformer nous, Seigneur, parce que l'esprit, c'est lui qui pourra le produire ça dans nous-mêmes, c'est lui qui pourra le faire transformation ça dans la vie nous. Seigneur, nous prions autant, mettez que nous bien disposés. Mettez que nous libres, Seigneur, pour que nous capables, cet esprit ou capable d'agir dans nous. Nous tous, nous avons cet esprit dans nous lorsque nous avons fait la paix avec nous. Nous tous, nous avons l'esprit de Dieu dans la vie. Nous seulement besoin de quitter l'esprit ou influencer nous vers le bien. En sorte que, Seigneur, lorsque nous va transformer, nous va capable faire la différence entre ce qui est bien, ce qui est agréable et ce qui est parfait par rapport au monde qui est dans la confusion. Seigneur, nous disons merci et nous remettons à l'année qui vient dans nos mains. Nous prions au Seigneur, où va fortifier nous et pendant la nouvelle année, où va répandre grâce au Seigneur, où va répandre onction sur nous-mêmes parce que nous avons besoin de ça. Lorsque Seigneur nous parle pour nous afficher l'identité, ça, lorsque Seigneur nous parle montrer le monde comment nous différents, nous avons besoin de grâce. Seigneur, nous prions, où va avec nous, où va fortifier nous, où va encourager que nous. Et pendant la prière pour chrétiens, au Seigneur, qui dans le pays côté l'église persécutée, on va renforcer conviction, au Seigneur. On va bailler plus foi toujours, on va bailler plus grâce pendant qu'il y a vive identité chrétienne par eux, au péril de leur vie. Merci Seigneur parce qu'on fait ça pour nous, parce que nous prions dans le nom de Jésus. Amen.